clean, hein. Attends, attends, c'est quoi cette couleur là? I got no money. Well, now I have some money, but like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party. Living my way is already. All I offer is my reputation. Hey, let's walk this way. Les garçons ont fait des courses trop chelous. Ils ont acheté des céréales, mais pas de lait. Du pain, mais rien pour le mettre dessus. Peut-être qu'il faut mettre les chocs à pic sur le pain. Starbucks le plus proche. 9h46 minutes. Ça fait une longue balade du matin là. Bah, c'est super, ça. T'as les cheveux grave bouclés le matin en fait. Ouais, c'est j'ai tout ça là. Allez vite. Je jure qu'il y a des canards qui sont passés là à l'instant. Ah, regarde là, là. Viens là. Ah non, on va donner du pain. Léna. Oula, il me fait un peu peur. Non, t'inquiète. Comment on l'appelle? Alexandre. Ok. Habitué aux humains. Tu sais comment ils nous tournent le dos après avoir pris à manger. T'es sûr qu'on est encore chez nous là? Non, je pense que c'est encore à nous. Mais quoi? Mais on est plus chez nous là. Mais c'est pas notre Airbnb ça. J'ai. Non, non, chez les voisins là. C'est les coqs. Oh, c'est calme là, hein. Pourquoi on se fait agresser par les coqs? Pourquoi ça hurle comme ça? Après, ils nous hurlent dessus. Good morning. Ça va, Marco Polo? Et toi? Mais l'ambiance est très. We can make it right. On est vraiment les anges en attendant qu'il y ait une embrouille. On est vraiment dans les anges. Amélie était. Ça va, Joanne? Oui. T'es heureuse et amoureuse? Oui, oui. Non, on parlait du fait que quand tu te mets en couple, c'est là que genre tous les gens ils sont déter, genre t'émanes une énergie de couple et du coup tout le monde se réveille en mode genre ah mais oui, t'existes et j'avoue j'avais grave un crush sur toi, genre. Les gens ils viennent te parler. Mais je pense que c'est fait exprès, c'est la vie qui essaie de te tester. Parce que les gens qui sont cons, bah ils trompent. C'est une bonne philosophie. Ils me trouvent toujours aussi non désirés. Non mais après il y a les gens qui sont vraiment pas intéressants et les autres quoi. Ah. Bah moi j'ai trouvé quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais je suis amoureuse toutes les deux semaines. Donc là je me calme un peu. J'ai faim, fais demain du coup. On va aller faire les courses. Moi hier quand j'étais partie faire les courses et que j'ai fait à manger, personne n'a fait le ménage ni mis la table. On est d'arriver dans la maison, on fait ménage de quoi? Ouais, mais j'ai dû débarrasser aussi, donc j'ai droit à un petit répit. Donc parce que t'as débarrassé hier soir, t'as besoin d'un répit maintenant et à 14h. Et à manger et payer les courses et fait les courses. Et pendant que vous, votre chariot il était juste rempli de céréales. Les courses mal faites là. Voilà. T'as même pas su acheter des dosettes pour le café. Mais MDR, justement, j'ai anticipé le fait qu'on devait boire du café, je me suis juste trompé de machine. Bah oui, justement. Donc t'as même pas su acheter des dosettes pour le café. T'as pas prendre du raisin à barbababa, t'as fait quoi toi? J'ai même pas envie d'entrer là-dedans, enfin allez regarde, enfin hey. C'est très bien que je te haine en deux secondes frère. Hey. C'est la première fois de l'année qu'il fait à manger à toutes les vacances, il fait jamais rien. Tu penses quoi de tout ça? J'en ai fini avec ces broutilles de gamins, j'ai un copain maintenant. Il y a des tensions dans la villa, un groupe a décidé de rester, pas de faire niente, pendant qu'un groupe s'active. Je reprends le contrôle de cette baraque car sinon nous allons manger à 19h30 notre déjeuner. Tote bag pour les courses, sac pour payer les courses, j'ai la team ainsi que la voiture et ça part. On est dans le gaspillage. J'en ai pris. La cervelle? Oh mon dieu, je suis choqué, ça fait trop peur. Attends, vas-y, regarde. Ah, qu'est-ce que
c'est? Tête de congre. Oh la vache. Attends, ah la vache, c'est Alix. Vous pensez qu'on va devenir plus intelligent si on prend ça? Genre, si tu manges de la cervelle, t'en auras plus dans ta tête? Plus de neurones, genre. Pas sûr. Après, t'es pas un porc, tu vois. Alix a travaillé dans un primeur, donc c'est le seul qui sait comment on choisit des légumes et des fruits. Bah les melons, c'est soit le goût, soit le plus lourd. Ah oui, bah le goût, mais c'est énorme. Enfin, l'odeur. J'arrive pas à savoir quel est le plus lourd. Quand tu fais les courses et que t'as trop la dalle, du coup tu fais le petit snack dans la voiture. Tu fais des cornichons? Non merci, c'est gentil, c'est bien aimable. Hein. Tu n'aimes pas les cornichons? À petite dose. Moi je tape ça comme des chips dans la voiture. Il en faudra. L'espace et la tempête, on est plus fort que ça. Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça. L'espace et la tempête, on est plus fort que ça. Les avis, j'encaisse. J'ai à additionner les échecs. Et tant pis, si je perds sur la route de mes rêves. Pardon. C'est comme ça qu'il met la tête, ton ami. Non, Joanne! Mais non, on avait tout préparé. T'as vu, je t'en prie. Put the table! Non, mais là, ça fait genre bien cuisiner. Je l'ai à l'image. Non mais on fait une heure de voyage pour que ce soit les mêmes assiettes que chez nous. Mais pourquoi vous avez allumé ce barbecue non, quand il existe comment, ça? Mais comment tu... C'est au gaz et tout, imagine ça explose. Oui, ah ouais. Ok. C'est bien, restons humbles. Hein? Restons humbles. Maintenant il faut enlever le feu là. Il va partir. En plus, tu vas te faire mal. Bon ben il y a beaucoup de... Fouille pas. Non, mais... J'ai même une solution. Ouais. Ah, il jure d'être un homme, hein. Franchement. Yeah. Ouais, moi je dead. Ah, t'as dead. Je suis en train de personnellement dead. Il est 17h, on est en train de déjeuner. Il manque que soleil. Elle vous aurait allumé le barbecue en deux temps de mouvement. À cette heure-ci, on aurait dîné, déjeuné, goûté, douché, lavé. À demain même. Marc, tu m'embêtes. Je t'ai fait un massage. Non, c'est pas agréable. Ah, vous voulez embêter un homme, vous lui pincez les tétons et après il vous fait bien. Plus chier. Allez, va voir là-bas ce que j'ai su. Mais tu viens de m'agresser? Après que tu mets stab with the fourchette. Mais c'est choquant! Faire ça, moi. Ah, on a cher, ça m'a ridiculisé dans le blog alors que j'ai trop bien fait les barbecues. Ah! Ça brûle! Marc Justin! Mais faut faire des trous dans les merguez, hein. Non, c'est comme ça que c'est d'appuyer du feu. Mais qu'est-ce que tu fais? Je la retourne! Dalle. C'est pas du tout, quoi! Mais ce n'est pas cuit! Non, c'est pas cuit! Alix, c'est pas cuit! Alix, c'est pas cuit! Mais Alix, il y a des flammes! C'est cuit! Alix, je te jure, c'est pas cuit! Attendez, je vous préviens, là le million que je vais gagner en grattant ce jeu, parce que je le sens, je n'ai pas d'amis, je n'ai jamais eu d'amis. Quoi? 5% pour moi, Sullivan. Oui, t'es parti chercher. Oh, je suis choqué. Frère. J'adore, si seulement ça coûtait pas d'argent de faire ça. Ça existe des gratuits, genre sans rien à gagner, mais juste tu grattes. Tu veux pas gagner au loto et t'achètes la maison, et comme ça c'est la nôtre. Et on y reste pour toujours. On y reste pour toujours. On refait des travaux. Ah, on refait des travaux. On refait quelques travaux, mais... La baraque. Mais on est sur une... Ok. J'y crois. Vous sentez toutes les cases que je gratte là? Ouais. C'est un bon signe. Ouais, elle. Il y en a plein. Story. Oh putain. Bon, bah je voulais juste vous dire que je rigolais, vous êtes tous mes amis, je vous aurais tous donné de l'argent, vraiment. Et... Non mais vraiment. Il voit perdu, hein. Ça retourne sa jaquette. Ah non, jamais. Non, jamais. Jamais, j'aurais toujours donné, moi. Comment on l'appelle? Alexandre. Ok.
train de finir le vlog, ils sont en train de m'appeler. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, quoi? Mais qu'est-ce que... Excusez-moi. Ils viennent d'où? Je sais pas, je viens de me réveiller. Je comprends pas, je suis encore dans mon rêve là. Mais ils sortent d'où? Tu sais, on en a rien tout à l'heure. Ouais. Il est parti chercher ses potes. Il leur a dit, ce soir les gars, le dîner, je sais où ils vont aller. Ils sont arrivés il y a deux secondes là. C'est vraiment l'hôtel Canard. Et oh, toi là-bas? Oh non, il me fait de la peine, c'est un introverti là-bas. Oui. Au fond, essaye de jeter fort pour lui. Pensez à celui de fond. Attendez, mais je suis un peu choquée de ce qui est en train de se passer. Ouais, ils sont plus que nous. Hein. Ils peuvent nous défoncer nos gueules. Non mais là, on va se rattaquer là. Ouais, lui, là, en fait, je veux que ça soit chez moi. Il y en a un, je le vois particulièrement agressif. Hein. Il y en a un qui est en train de nous fixer. Lui, lui il est super méchant. Oh, oh my god. On arrête. Ça va, il faut qu'on cohabite là. L'agression. Oh, il attaque. Oh, le bâtard, il attaque. Non, mais là, il se rapproche de plus en plus là. Oh putain. Oui, 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 oui. Pour centre. Attends, il est à l'aise là. Il est à l'aise, il est à l'aise. On fait un boutique. Non, il n'y a plus, il n'y a plus. Mais toi, il n'y a pas. Il n'y a plus, tu peux rentrer chez toi. Le restaurant ferme. Dernier service, c'est fini. Allez, bisous tout le monde. On peut sortir. Tout ça de place, il y a un canapé là encore, des chaises partout. Elle s'assoit là. Choqué. Ouais. Toujours la position la plus chelou pour le montage. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on n'a pas à manger. On a peur de manger. J'ai mangé le dernier douap, on va mourir. Vous, vous êtes là demain toute la journée et moi je pars aux aurores. Ah bon? Ouais. En plus, elle se casse à 10h celle-là. Ça va, on va tous monter dans ta voiture. Hein. Elle est gros quoi. On va venir avec toi à l'hôtel Mafouf. Moi j'ai des bons nuggets. Je vais prendre une petite déj à l'hôtel Mafouf moi. Eh mais attends, il nous reste des pâtes. Il nous reste des pâtes. Ah, tu vois pas que là elles sont pas mangeables. Ah donc tu veux même pas cuisiner une minute? Non. Tu mérites d'avoir faim. Mettre des babybel au four à micro-ondes. Avec quelques raisins. Je traite deux cornichons et de la sauce bolognaise pour les tremper. Avec les raisins, t'as deux repas. Un raisin et une barbe à papa. Ouais. T'en as une belle mèche blonde. T'es prêt à lui dire au revoir? Oui. Fais-moi la transition. Non, je pensais plus avec des mots. Ah. Salagado, la magicabo, la bibidi babidi. Bouh. Joël. Comme il y en a plusieurs, il y en a deux. Oh, vous êtes là, vous aussi. Ah, mais j'aimais bien, ça me donnait un air un peu malicieux, tu vois. T'as une brosse? Regarde dans mon sac Longchamp, il y a une autre trousse et il y a une brosse, ma brosse Balmain, elle est dedans. Ma brosse Balmain? Non, mais. Non, mais stop! Juste dire brosse, ça suffisait. J'ai rien précisé. Ah! On dirait pas, on est dans un film dramatique. Alors, excusez-moi, il y a mon caméraman qui passe derrière. Il a été embauché. T'as les cheveux un peu gras. Bah c'est bien non? Ouais, bon couleur, c'est bien. Ouais. Vous savez ce qui me fume le plus? C'est qu'on est 6 personnes et venues dans cette baraque, il n'y en a pas un qui a ramené un shampoing. Nabila, elle a fait un scandale pour moi ça. Hein. Ok. Restez bien assis monsieur. Tiens. Attends, deux secondes, regarde la durée du rouge, sinon c'est, si c'est rose, je demande remboursement. C'est grave vibe rose. Mais demain ça va dire rouge, je te rappelle. Non mais on n'est pas chez Pokémon là. La Team Rocket. Ouais. Avant de commencer, protégez vos vêtements. Cheveux secs non lavés, ça c'est sûr. Dévissez le bouchon du flacon applicateur. Ça. C'est ça, backstage. Ça. Oh, il y a du mélange à faire. Du mélange, du mélange. Tiens ça. Casse, on est intelligent. On doit tout mettre? Ouais. Joanne, tu vas être trop beau gosse. Tu vas être slay. Et ensuite je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Alors, est-ce que t'es prêt? Oui, j'ai trop hâte. Ça y est, ça part. Hein. Attends, attends. Un dernier mot à dire à tes cheveux blonds? Un mot et je reste. Bisous les cheveux blonds. Oh, nice. C'est Sodwa Lipa en 2020. Maintenant, on passe au rouge. Black Widow Baby Multiverse. On dirait de la sauce Biggie. Y'a pas un autre truc qu'on doit mettre, Léna? Attends, attends. C'est quoi cette couleur là? C'est vrai, on dirait vraiment la sauce Biggie. Mais on doit pas mettre. J'ai demandé Black Widow à Pikachu, genre. Attends, mais tu veux pas mettre. Y'a pas un autre truc à mettre? Non. Power Ranger. Oh, yeah. No. Oh my god.
plus on a partagé les gants. On a tous les deux une main qui est... Fin. Ta-ta-ta-ta, colissimo. Ça va être très stylé, j'y crois d'eau. Mais ça, ça devient rouge. Ça va être rouge. Ça devient grave. Voilà. Il méritait pas ça. 30 minutes plus tard, ça fait genre Bordeaux. Oh là là, non. C'est très Bordeaux. Vas-y, attends, je regarde. Vas-y. Tu réponds, mais il est proche de la tête. Je finis sans ça, je vous en supplie. Regarde-moi, ça tue le glamour. Non, non. Je suis délicate. Oui. C'est l'adjectif que tu aurais utilisé pour me décrire? Non, non. Ah, qu'est-ce que tu aurais dit? Déterminée. Je crois que ça va être beau. Mais je crois qu'on a déjà. Je crois qu'on a déjà. Ok, maintenant tu vas. Tu es prêt à te voir? Oui, j'ai trop hâte. Ferme les yeux. 1, 2, 3. C'est trop une vibe! Du coup, ça fait un dégradé stylé, genre, tu trouves pas? Si. Mais ça me choque comment c'est différent du blond. On dirait que je sors d'un animé. Regarde, j'ai un petit carré plongeant, genre. Regarde, t'as dans la caméra. Parce qu'on voit plus. Oh, j'adore! Attends, parce que je suis trop moche. J'aime trop. Oh my god. Et regardez comment ça s'entremêle, genre. Emo girl. C'est vraiment mon mood. Viens voir notre garçon. Ouais. Oh yeah. Veuillez mettre la K-pop sur pause. Un nouvel arrivant dans la villa s'apprête à faire son entrée. Joanne. Ils sont préparés. Ah c'est Slay. C'est tout ça. J'avais pas vu. Ouais, j'aime bien. Mais ma femme, ça trop machin. Avec du gel, tout ça, le truc. Non, vraiment. Enfin, brushing un peu. Ouais, c'est un brushing. Un peu brushing. Mais. Montre-là quand je fais le carré. On dirait Dama, tu es choqué. T'as un vrai. T'as un bob. What's your name, baby? Alex! J'ai trop posé mes pieds sur le jeu. Mais Alex! Après, je leur dis au revoir car demain je quitte le Airbnb plus tôt que eux tous et j'ai commandé un taxi parce que je vais aller travailler au café, je vais aller voir tout le monde et puis je vais aller vous rencontrer parce que je n'aime pas ne pas venir au café. Et en parlant d'au revoir, on va dire au revoir à quelqu'un ce soir. Bon les amis, il faut qu'on parle. Et oui, on dit au revoir au seul et à l'unique Marcus. J'aurais voulu rester encore longtemps, longtemps jusqu'à la fin du mois, mais je reprends le boulot lundi. C'est la fin des vacances pour Marc. Il retourne au travail lundi. Ça y est, c'est fini les vacances. C'est fini. C'est fini de squatter chez moi toute la journée, de sonner à 14h en faisant coucou. Marie t'aime bien. Ah, j'adore. Et c'est fini de passer les journées avec nous du coup. C'est fini les copains, c'est fini le vlog. En tout cas, moi cette année, j'ai adoré. Cette année. Vous êtes très 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 gentil. En DM, sous les commentaires de la vidéo, dans la vraie vie, parce que oui, maintenant on vous voit dans la vraie vie au café. Et non, mais cette année, les gens sont gentils. Cette année, c'était personnellement ma préférée. Et même niveau de vos retours, on n'a jamais fait autant de. Et de vues, et de commentaires, et d'engagement, et de vous voir autant que sur vos cafés, etc. Bref, c'est fou. Moi, je vais parler comme si c'était la fin pour moi, puisque je suis encore là pendant 10 jours. I'm going to cry. Tu as pensé à nous au travail? Chacun va reprendre sa vie, quoi. Et... Bon, on a quand même quelques trucs prévus. Mais oui, vous avez encore des trucs à faire. On va... non, très mais... sympa. Là, on a un joyeux programme. Sympa. Toi, on te voit le week-end, et peut-être parfois après le travail. Peut-être, mais on verra. Mais offre-nous un petit temps, une petite bière, une petite grenadine en terrasse après le travail, je vais te chercher. Voilà. Ça y est, c'est un date. On ira boire des grenadines. Je te l'essaye. Tout le monde dit au revoir à Marc. Et des tonnerres de... Non, je... Tonnerres d'applaudissements. Tonnerres d'applaudissements. Des bravos. Envoyez-lui des fleurs. Oui. Et bonne nuit. Et moi, je vous dis à demain, puisque les vlogs d'août, c'est tous les jours. Bisous. Tu fais le check du coude? Ouais, vas-y. 1, 2, 3. Sortez de ma chambre.
feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure.